Shalom, shalom, shalom les bien-aimés. Je suis très heureux ce soir d'être parmi vous par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas si vous pouvez m'entendre éventuellement. Je ne sais pas si il n'y a pas de problème au niveau son, au niveau vidéo, par la grâce de Dieu. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous parle particulièrement à notre entendement spirituel pour que ce soir nous puissions partir avec quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Amen. Prions ensemble au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions Seigneur Jésus pour ce temps, ce moment que tu as favorisé pour chacun d'entre nous Seigneur. Je prie que, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, Seigneur, vers, Seigneur, l'endroit, vers la destination, vers ta pensée, Seigneur, car lui seul peut connaître les profondeurs de Dieu. Car, Seigneur, personne ne peut connaître les profondeurs de ta pensée si ce n'est que par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-nous, enseigne-nous ce soir. Dispose, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ce soir, pour pouvoir recevoir pleinement ta semence. Père, ma prière est que cette semence puisse porter le fruit, Seigneur, escompté, le fruit que tu attends de chacun d'entre nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits selon Christ, Seigneur. Père, merci, Seigneur, Dieu de gloire. Père, pour ton serviteur visionnaire, Seigneur de ce programme, Seigneur, bénis-le également, Papa, pour, Seigneur, son travail, pour également, Père éternel, les soutiens qu'il apporte, Seigneur, à différents ministères qui œuvrent pour l'avancement du royaume. Seigneur, élargis l'espace de sa tente et bénis-le, Seigneur, de toute bénédiction en Jésus-Christ. Merci, Père. Papa, je remets ce moment, Seigneur, sanctifie cet instant, Seigneur. Père, Papa, ta parole déclare, Seigneur Dieu de gloire, « Or, les âmes que nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse et toute hauteur qui... Père éternel, qui pose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous chassons, Seigneur, Père, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, Seigneur. Père, parce que les armes par lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu et nous amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, Père de gloire, pour ton règne, pour ton autorité, qui va se manifester ce soir au milieu de nous, au nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, pour votre participation à ce programme. Avant de pouvoir commencer le but du sujet, avant de commencer le vif du sujet, je voudrais remercier le docteur Coco pour voilà, cette vision excellente et également tout ce qu'il fait comme travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais vraiment bénir son ministère ce soir. Et pour moi, c'est aussi un honneur d'être parmi vous ce soir, modestement, pour vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps fatidiques. Nous sommes dans des temps où, n'est-ce pas, l'ennemi accentue son pouvoir de séduction pour justement pour pouvoir entraîner malheureusement plusieurs dans la perte ou dans l'abandon de la foi. Effectivement, Paul va adresser une lettre à Timothée comme recommandation. Je vais prendre très rapidement ce passage dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. D'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, plusieurs l'ont perdue et font et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Paul ici a été en train d'adresser cette recommandation à Timothée. Cette recommandation avait pour but de pouvoir l'encourager dans sa vocation céleste, également dans sa fonction en tant que serviteur de Dieu, et de se rappeler que le combat auquel il a été introduit, c'est un combat par rapport à la foi, et il avait cette responsabilité, cette fonction, cette charge de pouvoir préserver le bon dépôt que le Seigneur a mis dans son cœur.
Et ce bon dépôt se caractérise par la foi, par l'espérance et par l'amour. Effectivement, Paul nous parle à plusieurs reprises lorsque nous étudions 1 Corinthiens chapitre 13. Il va dire il y a trois choses qui subsistent, n'est-ce pas? Il va dire la foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et ce soir, je bénis Dieu vraiment pour ce thème merveilleux que Dieu inspire à son serviteur concernant l'amour. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose que nous devons vraiment accentuer, nous devons revenir sur ces choses, comme l'apôtre Paul avait adressé à la lettre, dans sa lettre aux Galates, en disant ceci expressément, « Je vous rappelle ces choses car elles sont salutaires pour vous. » Et nous devons rappeler à chaque instant, à chaque seconde que Dieu nous donne, n'est-ce pas, l'inspiration et la conviction de rappeler l'importance représentatif de ce que incarne l'amour pour un chrétien. Vous savez, les œuvres que Jésus a accomplies sur terre et entre autres à Golgotha n'est que le fruit de son amour inconditionnel qu'il a réservé pour l'homme. Amen. Et c'est par son amour que chacun d'entre nous, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Car si l'amour de Jésus-Christ n'a pas été manifesté à la croix, personne d'entre nous n'aurait pu avoir l'accès à la grâce de Dieu. Comprenant que cet accès a été accordé à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha. Parce que le match de notre vie, de notre destinée, s'est décidé là-bas. Et là-bas, la Golgotha a été une forme de plaidoirie auquel le Seigneur, n'est-ce pas, avait présenté auprès du Père pour que la colère du Père ne puisse plus retomber sur nos vies, mais pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, être totalement disparues. Et n'oublions pas quelque chose de très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, le caractère que représente l'amour pour nous, la valeur que l'amour représente pour un chrétien. Parce que quand nous parlons de la grâce, nous faisons directement référence à l'amour de Christ. Parce que cette grâce n'aurait pas pu avoir lieu si Christ n'a pas libéré son amour à Golgotha. Et le mot « grâce » vient du grec « charis » ou « charis ». On peut le définir également comme « charité », n'est-ce pas? Qui veut dire, voilà, l'amour « agapeo ». Donc aussi, la grâce est un don de Dieu. Et vous connaissez le passage de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il dira « car... » c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Comprenons que la grâce de Dieu est un don de Dieu. En même titre que l'amour agapeo, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, et aussi également pour nous en tant qu'enfants de Dieu, est un don de Dieu. Parce que comme je vous le disais précédemment, c'est cet amour que le Christ a libéré à la croix, qui nous a permis à chacun d'entre nous d'être bénéficiaires de la grâce de Dieu. Sans cet amour, aucun d'entre nous ne pourra avoir accès à cette grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu également a une valeur inestimable pour tout enfant de Dieu qui est ancré dans le Christ. Et un enfant de Dieu doit comprendre que cette grâce, on doit la préserver. On doit la protéger, on doit, n'est-ce pas, l'entretenir dans notre vie de tous les jours pour que la grâce de Dieu puisse demeurer. Parce que malheureusement, force à constater aujourd'hui, beaucoup malheureusement foulent la grâce de Dieu à leurs pieds. Alors que j'aimerais leur dire que cette grâce a été accordée, a été libérée pour notre vie à un grand prix. Et beaucoup négligent, beaucoup ne réalisent pas, beaucoup n'ont pas conscience de ce prix élevé que Christ a accompli à notre place, à Golgotha, pour que cette grâce puisse être libérée dans notre vie. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu a mis fin à la religiosité. La grâce de Dieu a mis fin au pharisianisme. La grâce de Dieu a mis fin au pouvoir que le péché avait sur l'homme à cause de la transgression d'Adam. Alléluia. La grâce de Dieu nous permet à chacun d'entre nous de pouvoir accéder à l'intimité, à la communion sacrée avec le Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cette communion sacrée qu'un enfant de Dieu a envers le Seigneur est la
plus belle chose qu'un homme peut obtenir sur cette vie. Je vous assure que il n'y a pas de plus belle chose que d'être proche de Jésus. Il n'y a pas de plus belle chose que d'avoir une intimité profonde et étroite avec le Seigneur. Car c'est là où nous puisons notre force. C'est là où nous trouvons notre sécurité. C'est là où nous trouvons notre épanouissement. C'est là où nous trouvons notre paix. Et force à constater aujourd'hui, l'amour, selon Christ, n'est pas, n'est-ce pas, enseigné correctement, n'est pas assez enseigné. Alors que lorsque nous étudions les lettres de Paul, tout l'héritage qu'il a transmis à l'Église à son époque, tout était basé sur l'amour de Christ. Alors vous savez que Paul, dans son ancienne conduite où il va, n'est-ce pas, parler un peu de son témoignage, de son parcours, il va dire, vous savez comment autrefois je persécutais à outrance, n'est-ce pas? Et j'étais, n'est-ce pas, zélé plus que beaucoup de ceux de ma génération. Il va dire, quant à la loi, n'est-ce pas, quand je suis israélite de la tribu de Benjamin, quant à la loi pharisien. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans sa lettre aux Philippiens? Il va dire, ces choses qui étaient, que je considérais comme un gain, je l'ai vu comme une perte à cause de Jésus-Christ, pour qui j'ai tout renoncé et j'ai vu toutes ces choses que j'avais acquises, que je croyais bon pour moi. Il va dire que toutes ces choses que j'avais auparavant dans la religion, toutes ces choses pour moi qui étaient, je croyais qu'étaient bon, je croyais que c'est ce que j'avais comme héritage auparavant était pour moi un droit d'accès à la proximité envers Dieu. Mais il avait compris que, en fait, ces choses-là lui empêchaient, en fait, d'accéder à l'amour de Christ. Parce que la religion est un voile. Et il n'y a que cette révélation qu'un enfant de Dieu reçoit de Christ par son amour manifesté pour nos vies qui nous permettra justement de voir clair, d'avoir la clairvoyance et de ne plus être sous un voile, mais de pouvoir accéder dans le chemin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et comme je vous disais, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est quelque chose de précieux. Elle n'est pas accordée, n'est-ce pas, à n'importe qui. Comprenons, bien sûr, la parole nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, l'homme d'aujourd'hui, je parle pas dans la quasi-totalité, mais les hommes aujourd'hui, en général, ont une certaine, comment dirais-je, une certaine, quand vous leur parlez de Dieu, ils se sentent mal à l'aise. Vous voyez, il y a comme un inconfort, il y a comme des suspicions, il y a comme quelque chose en fait qui les empêche en fait. Pour eux, c'est rédhibitoire. Et lorsque vous parlez de Dieu, de Christ, aujourd'hui dans cette génération, on va vous prendre comme quelqu'un qui est ringard, quelqu'un qui n'est pas à l'heure du temps, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est insensé, qui n'a pas de constance dans sa vie. Alléluia. Parce que tout est fait aujourd'hui dans le monde. Toutes les précautions sont prises pour que l'homme ne puisse pas connaître la vérité. Avec la séduction que Satan utilise de plus en plus aujourd'hui dans cette génération, tout est fait pour que l'homme ne puisse pas avoir une intimité avec le Seigneur. Et parfois, nous sommes emportés par des activités, par le temps, etc. Toutes ces choses, n'est-ce pas, nous éloignent à petit feu si nous manquons de vigilance, si nous manquons, n'est-ce pas, je dirais, d'éveil, d'être éveillé. Alléluia. C'est pour cela que le temps appartient à Dieu. Il n'appartient pas à nous-mêmes. Mais si nous voulons que Dieu puisse être le maître de notre vie, comprenons, nous aussi, nous devons fournir des efforts. Nous devons aussi faire notre part. Amen. Parce que Dieu ne va pas faire toutes les choses à notre place. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Il suffit simplement de regarder ce que Jésus a fait à Golgotha. Et quand nous regardons Golgotha, aucun d'entre nous n'a une excuse valable pour dire qu'il ne peut pas servir Dieu.
aucun d'entre nous ne peut trouver une excuse valable pour se dire que je ne peux pas prier. Et le problème, c'est que, les soucis de ce siècle, au lieu que cela puisse nous rapprocher de Dieu pour pouvoir être déchargés de nos fardeaux, de nos soucis, de nos préoccupations, on s'enferme envers nous-mêmes. Et Satan profite justement de ces occasions que lui-même, n'est-ce pas, provoque pour justement que le chrétien puisse être, puisse perdre cette connexion avec le Seigneur. Amen. Et celui qui a compris la valeur de l'amour de Dieu, peu importe les difficultés auxquelles il pourra être confronté, peu importe la dureté de la vie, peu importe la souffrance, il comprendra une chose, que celui qui est appelé véritablement à Jésus-Christ doit passer par le même chemin que Jésus est passé. Et c'est pour cela que Paul va dire dans Actes chapitre 17 là-bas, il va dire que c'est à travers des tribulations qu'il nous faudra pour accéder à la vie éternelle. Et beaucoup aujourd'hui pensent que tout est facile. Non, mes frères et sœurs, ceux qui vous prêchent de telles hérésies en vous disant que voilà, tout est facile dans la vie chrétienne, c'est faux. Parce que, bien aimé, nous sommes appelés au renoncement. Et la renonciation, l'abnégation, il faut un prix que chacun d'entre nous doit payer pour pouvoir parvenir à la hauteur, pour pouvoir parvenir, n'est-ce pas, à la profondeur dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je voudrais prendre un passage, justement, nous sommes en train d'évoquer le sujet de l'amour. Et comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, a posteriori, aujourd'hui, force à constater, nous parlons plus suffisamment assez de l'amour. Du moins, nous ne donnons pas l'enseignement avec exactitude ce que la sainte doctrine nous enseigne en ce sujet-là. Amen. L'amour est, je dirais, le socle de la vie chrétienne. Parce que l'amour, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une mention, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une équation, ce n'est pas, je ne sais pas, un discours. Mais l'amour, c'est une personne. Et cette personne dont je suis en train de vous parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'amour par excellence. Et ce soir, je voudrais prendre un passage en introduction, sans transition, par rapport à ce que je suis en train de vous évoquer ce soir, par la grâce de Dieu. Nous allons prendre dans le premier épître de Jean, chapitre 4, qui nous fait référence justement à l'amour. Nous allons prendre un épître de Jean, le premier épître de Jean, pas l'évangile de Jean, un épître de Jean, chapitre 4. Donc soyons ce soir, s'il vous plaît, attentifs aux versets que le Seigneur va nous communiquer ce soir. Et manifestons également de la considération envers la parole de Dieu. N'hésitez pas également de votre côté à prendre des notes ou à prendre des notes, les versets bibliques, etc. Et soyons vraiment comme les Juifs de Béret dans Actes 17, qui avaient manifesté de l'empressement, de l'intérêt, du zèle envers la parole de Dieu. Amen. Mais la parole nous dit aussi également, en précisant justement concernant ce modèle des Juifs de Béret, il consistait pas seulement justement par rapport aux Juifs de Béret, de faire référence par rapport le fait qu'il manifestait de l'empressement. Il ne s'arrêtait pas à cet empressement-là, il ne s'arrêtait pas à ce zèle. Mais la Bible va aller encore plus loin, va nous dire qu'il vérifiait les Écritures. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, vous qui me suivez ce soir, vérifiez également les Écritures. C'est aussi un signe de maturité. Amen. Donc, nous allons prendre ce passage dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset... Je vais prendre plusieurs versets en référence, mais il y en a deux qui m'intéressent plus particulièrement par rapport à ce message. Alors, nous allons prendre d'abord le verset numéro 7. Nous allons faire une étude de cas par rapport à ce chapitre. Alors, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit ceci,
Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Amen. On va s'arrêter d'abord sur ce verset. Le mot aimer ici en grec qui est employé dans ce verset, c'est l'amour agapéo. Vous savez qu'il y a, selon bien sûr le Nouveau Testament qui a été rédigé en majeure partie en grec, n'est-ce pas? Et dans le grec, en fait, il y a trois significations dans le mot amour. Il y a d'abord l'amour, ce qu'on peut qualifier comme amour eros, c'est l'amour charnel, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'amour philéo, donc l'amour qui est basé sur des intérêts humains ou quand on dit on a le feeling avec cette personne, voilà. Tout est basé en fait sur les besoins de l'homme en fait, cet amour-là. Donc c'est un amour, comme un frère envers sa sœur, etc. Voilà. Je parle au niveau pas frère et sœur en Christ, hein, je parle frère et sœur dans les liens de famille. Amen. Donc c'est un amour humain. Donc le premier c'est amour charnel, deuxième amour humain, et le troisième dont il fait référence ici dans ce passage, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour parfait, l'amour de Christ. Et c'est cet amour-là que nous allons nous pencher plus particulièrement dans ce passage pour que nous comprenions qu'un enfant de Dieu qui s'identifie à Christ, le premier caractère qu'on doit voir en lui, c'est l'amour. Si nous ne voyons pas cet amour-là, alors cette personne n'a pas connu Dieu. C'est ce que le passage nous dit clairement. Celui qui aime selon Christ a la connaissance de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Et regardez, le passage va encore plus loin, il va dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc celui qui n'aime pas selon les exigences du Seigneur, selon les critères du Seigneur, ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas de le proclamer. Ce n'est pas, de le dire à haute voix, mais de connaître Dieu, c'est plus profond que de croire en Dieu. Parce qu'il y en a qui croient en Dieu sans connaître Dieu. Regardez, même la Bible nous dit, toi qui parles de Dieu, les démons croient en Dieu et ils en tremblent. Les démons eux-mêmes croient en Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils tremblent de ce que Dieu représente, en fait, dans ses attributs, dans sa personne, n'est-ce pas? Et donc, nous comprenons par là qu'il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. Il faut aller encore plus profond que cela. Parce que beaucoup croient en Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Et le problème, c'est ça. Nous voulons pas seulement croire, mais nous voulons encore aller plus loin. Nous voulons connaître Dieu. Quand nous parlons de connaître Dieu, c'est-à-dire avoir la connaissance de Dieu, c'est-à-dire c'est une personne qui est en lien étroit avec Dieu. Et nous ne pouvons pas être en lien étroit avec le Seigneur si nous n'avons pas une intimité avec lui. Alléluia. Et l'intimité, c'est d'entrer dans le lieu secret. L'intimité, c'est d'être dans le secret avec Jésus. Et ce n'est pas tout le monde qui est dans le secret. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la profondeur. Ce n'est pas tout le monde qui a une communion avec Christ. Regardez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit, Jésus, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix ouvre sa porte. La porte dont il est question ici, c'est la porte de ton cœur. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas ouvert à Jésus, pleinement ouvert à Jésus, tu ne pourras pas connaître véritablement Jésus. Si ton cœur n'est pas pleinement ouvert à Jésus, tu ne pourras pas avoir une communion sacrée avec Jésus. Tu ne pourras pas avoir une intimité avec Jésus. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas connaître Dieu. Et par là, nous comprenons qu'il ne suffit pas de croire en Dieu.
Beaucoup croient en Dieu, mais beaucoup n'ont pas d'intimité avec Dieu. Beaucoup ne connaissent pas véritablement Dieu. Beaucoup n'ont pas de profondeur avec le Seigneur. La religion nous enseigne de croire en Dieu, mais elle fait un obstacle. Elle dresse un obstacle, une barrière pour nous empêcher d'aller en profondeur, d'aller véritablement connaître Dieu. Alléluia. C'est vraiment très important ce que nous sommes en train de dire ce soir. Il faut connaître Dieu. La condition que le Seigneur est en train d'établir ici, c'est qu'une personne doit manifester cet amour que Dieu attend de chacun d'entre nous. Cet amour véritable qui vient de Christ. Et c'est pour cela, force à constater aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a une carence au niveau de l'amour. Cet amour se fait de plus en plus rare. J'ai comme l'impression que l'amour selon Christ est en voie d'extinction. Parce que aujourd'hui, l'amour est basé sur des intérêts. L'amour que nous voyons aujourd'hui, elle est basée sur de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de faux amour qui circulent aujourd'hui dans le milieu chrétien, qui est basé sur des intérêts purement humains, qui sont basés sur des choses charnelles, qui est basé sur l'hypocrisie, qui est basé sur la jalousie, qui est basé sur la méchanceté. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous choquer. Même l'ennemi, le diable, a sa propre caractéristique d'amour. Même l'ennemi, le diable aime. Mais de quel amour s'agit-il ici? C'est de l'amour charnel, l'amour basé sur l'hypocrisie. C'est lui qui est, n'est-ce pas, à la source de l'hypocrisie. Et c'est triste aujourd'hui que nous voyons que les chrétiens prêchent l'amour, proclament l'amour, disent « oui, je t'aime mon frère, ma sœur ». Mais quand, n'est-ce pas, ce prochain auquel cette personne référence son amour envers cette personne, mais quand cette personne peut-être manifeste un certain défaut, ou peut-être il peut se trouver dans une situation difficile, vous allez voir que la personne qui disait à la base « oui, j'aime cette personne par l'amour de Christ », mais quand la personne est confrontée à une situation relativement difficile, vous allez voir que cette personne va être abonnée aux absents. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour celui qu'on aime, c'est de cet amour que Jésus est en train de parler. Et cet amour, Jésus l'a manifesté de manière concrète à la croix. Si nous voulons comprendre la réelle signification de l'amour de Dieu, il suffit simplement de regarder à la croix. Il suffit de demander, Seigneur, révèle-moi ce qui t'a motivé à aller mourir à la croix à ma place. Révèle-moi l'état de ton cœur lorsque tu étais confronté à cette agonie, lorsque tu étais confronté au supplice de la croix, révèle-moi ce qui a animé ton cœur dans ces moments les plus douloureux que tu as pu connaître. Révèle-moi, Seigneur, ce qui t'a motivé d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça, en fait, ce que le Seigneur veut que nous comprenions. L'amour de Christ n'est pas un amour qu'on peut mesurer ou qu'on peut quantifier. Il est au-dessus de toute mesure humaine. Il est au-dessus de toute science ou de toute logique humaine ou de tout raisonnement humain ou de toute sagesse humaine. Parce que, bien-aimé, celui qui veut saisir, comprendre la révélation de l'amour de Christ doit connaître Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas connaître véritablement Dieu si on n'a pas ouvert notre cœur au Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix
ouvre sa porte et j'entrerai en lui. Le Seigneur l'a ordonné dans sa parole. Il a ordonné qu'il allait entrer. Donc, quiconque lui ouvre pleinement la porte de son cœur. Et non seulement cela, mais le Seigneur ne va pas s'arrêter à là. Il va dire qu'il soupera avec moi et je souperai avec lui. L'image de la communion. C'est ça ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, que nous ayons cette communion. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème, plusieurs d'entre nous, nous faisons référence à ce passage. Oui, en fait, ça devient comme un slogan. Un slogan, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais dire, mais est-ce que tu réalises la profondeur de ce que Paul était en train d'écrire à cette époque-là? Parce que vous savez que Paul, dans ses transmissions des épîtres qu'il avait transmises aux églises dont il avait la charge, au niveau du ministère apostolique que le Seigneur lui avait confié, Paul était en train d'écrire par rapport aux révélations, par rapport à son expérience vécue avec le Seigneur, par rapport à la sagesse que le Seigneur lui avait confiée. Et bien sûr, Paul, à un moment donné, la Bible va dire qu'il va commencer à devenir orgueilleux par rapport justement à cette sagesse, aux révélations qu'il recevait du Seigneur. Il va commencer à tomber dans l'orgueil. Mais la Bible déclare que le Seigneur avait permis qu'un ange de Satan puisse lui souffléter une écharde. Alléluia. Et cette écharde a été envoyée pour un but, de faire comprendre à Paul, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que je t'ai donné beaucoup de révélations sur ma personne qui va faire de toi une personne que je vais agréer. Mais ce qui va permettre à Paul de pouvoir être agréé, approuvé par le Seigneur, c'est de donner de la valeur à la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans ce passage d'un Corinthiens chapitre 11, il va dire que, n'est-ce pas, que trois fois j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur ne puisse m'éloigner de cette écharpe. Et à ce moment précis, vous savez, le chiffre 3, c'est le chiffre de la persévérance. Paul a prié avec instance, avec persévérance. Il a creusé dans les profondeurs pour que Dieu puisse lui révéler l'enseignement, cet enseignement que Paul avait compris pour sortir de cette situation. Vous savez, parfois nous sommes dans des situations difficiles, mais Dieu nous amène dans ces situations-là, dans ces épreuves, pour que nous puissions le chercher. Parce que quand tu vas le chercher véritablement, le Seigneur va te donner un enseignement clair de ce qu'il attend de toi. Et c'était à ce moment précis que Paul avait redoublé ses efforts pour aller creuser dans la profondeur, pour que le miel puisse jaillir. Le miel ici, c'est le rhéma, c'est la parole révélée. Paul avait besoin de la révélation par rapport à cette situation auquel il était confronté. Et c'est là où le Seigneur lui avait parlé. Il lui avait parlé avec exactitude, en lui disant « Ma grâce te suffit ». C'est-à-dire, ne t'appuie pas sur tes acquis, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta connaissance, ne t'appuie pas sur ça. Mais appuie-toi sur ma grâce. C'est-à-dire, en d'autres termes, appuie-toi sur mon amour. Le chrétien doit s'appuyer sur l'amour de Christ s'il veut avoir une vie chrétienne couronnée de succès, une vie chrétienne victorieuse, glorieuse. Il doit s'appuyer sur l'amour de Christ. Et quand je suis en train de dire s'appuyer, c'est pas seulement s'appuyer dans le sens, n'est-ce pas, dans le sens propre. Je parle, c'est une personne qui doit aspirer à manifester l'amour de Christ et à le vivre au quotidien dans l'environnement où il évolue. C'est-à-dire, même ton voisinage doit voir les fruits de l'amour de Christ en toi. Vous savez, quand Paul va nous parler dans Galates chapitre 5, verset 22, en faisant référence aux fruits de l'Esprit, lorsque vous vérifiez la chronologie des fruits qu'il va aborder dans ce passage,
vous allez voir que Paul, le premier fruit dont il fera référence, il va parler de l'amour. Le premier fruit de l'esprit, je dirais même le plus important, même avant la foi, c'est l'amour. Alléluia. Parce qu'en fait, si tu n'as pas l'amour de Christ, ta foi sera vaine. Ta foi n'aura pas de valeur. Pourquoi ? Parce que Jésus ne pourra pas siéger dans ta vie. Jésus ne pourra pas siéger dans ton cœur. Jésus veut siéger en toi. Mais pour qu'il siège en toi, il faut que tu puisses saisir son amour. Il faut que tu saisisses cet amour-là. Parce que c'est cet amour-là qui va te sauver. C'est cet amour-là qui va expier tes péchés. C'est cet amour-là qui va te rendre bénéficiaire de sa grâce de manière continuelle. C'est cet amour-là qui va t'apprendre à supporter ton frère, ta sœur. C'est cet amour-là qui va te donner la force d'aller au-delà de tes retranchements, au-delà de tes limitations humaines. D'aller porter assistance à ton frère, d'aller aider même financièrement celui qui est dans le besoin. Regardez, lorsque nous parlons de l'église de Jérusalem, au temps de la Pentecôte, la Bible déclare que chacun vendait toutes ses propriétés. Et lorsqu'il prenait cet argent-là, la Bible nous dit qu'il mettait cela aux pieds des apôtres. Non pas pour que les apôtres soient des milliardaires, mais pour que les apôtres puissent distribuer à tout le monde. Parce que quand vous étudiez Actes chapitre 2, il dira que, n'est-ce pas, que l'Église avait connu une ascension victorieuse, glorieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient selon la grâce de Dieu, parce qu'ils s'appuyaient, parce qu'ils avaient compris ce que signifiait véritablement l'amour de Christ. Et c'est pour cela que la gloire de Dieu était là-bas, elle était palpable, elle était visible. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans la gloire de Dieu si tu ne saisis pas l'amour de Christ. Cette gloire ne sera qu'une utopie. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'utopie. Dieu veut que tu vives dans le véritable. Dieu veut manifester, étendre sa gloire sur ta vie. Mais comprends que la gloire de Dieu ne pourra pas être une réalité dans ta vie si tu n'as pas saisi l'amour de Christ. Ici, l'apôtre Jean, dans son épître, il va dire « Aimons-nous les uns les autres ». C'est ce que Jésus avait donné. C'est ce que Jésus avait ordonné comme nouveau commandement. Alléluia. Parce que la loi de Moïse nous disait « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, n'est-ce pas ?» et de toute ton âme, n'est-ce pas, selon Deutéronome chapitre 6, verset 5. Mais Jésus va aller plus loin. Il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leur prochain comme eux-mêmes. Et regardez, c'est ça le problème aujourd'hui que nous rencontrons. Ça, c'est ce que je qualifie de amour religieux. Et regardez, nous allons prendre maintenant ce passage qui fait référence à ce que je suis en train de dire, qui est très important. 1 Jean chapitre 4, nous sommes toujours dans le même chapitre, à partir du verset 19, je lis au nom de Jésus. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si tu aimes Jésus, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Tu ne l'aimes pas parce qu'il t'a donné de l'argent, parce qu'il t'a donné un travail, parce qu'il t'a donné le mariage, parce qu'il t'a donné le ministère. Non! Tu dois l'aimer parce qu'il t'a aimé le premier. Avant que même tes parents ne puissent t'aimer, lui, il t'aimait avant eux. Et il t'aimera toujours après eux. Alléluia. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain ? Jean emploie des mots forts. Ici, l'apôtre Jean emploie des mots très forts. Il n'est pas en train de ménager les gens. Il était en train de parler de manière pragmatique en disant que comment toi qui dis que tu aimes Dieu et tu haïs ton frère, tu es considéré comme un menteur. Et c'est ça la religion, ce que la religion enseigne. C'est ce mensonge.
en ce qui concerne l'amour de Dieu. Alors que pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont dans la religion sont dans un voile et n'ont pas la révélation pour comprendre la profondeur de ce que représente l'amour de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Je continue ce passage. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment pourra-t-il aimer Dieu qui ne voit pas? Oh my God, c'est très fort. Toi qui n'arrives pas à aimer ton frère, ton prochain, toi qui n'arrives pas à aider ton frère, ton prochain, qui est dans des situations difficiles, toi qui n'arrives pas à mettre la main dans ta poche pour aller aider un nécessiteux ou pour aller aider les orphelins, les veuves, et toi qui penses plutôt à épargner ton argent. Vous savez, Jésus va dire à une personne qui, n'est-ce pas, dans, il y a une parabole dans l'évangile de Matthieu, faisant référence à un homme qui aimait épargner son argent, à telle enseigne que cet homme pensait qu'il avait déjà, il était déjà arrivé à ses fins. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Ne sais-tu pas que ce soir, ton âme sera réclamée? Oh my God. Ne sais-tu pas que ce soir, ton âme sera réclamée. Alléluia. Comment peux-tu prétendre aimer véritablement Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure. La loi de Moïse enseignait, selon Deutéronome chapitre 6, verset 5, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est une très bonne chose. Mais le Seigneur va aller encore plus loin. Et c'est ça, en fait, qui va éprouver si tu aimes véritablement Dieu ou pas. Comment le savoir si tu aimes véritablement ton prochain? C'est dans cela que nous allons véritablement éprouver ton amour. Parce que l'amour doit être éprouvé. Comment peux-tu aimer ton frère que tu ne vois pas? Et comment peux-tu aimer Dieu que tu... Comment peux-tu ne pas aimer ton frère que tu ne vois pas? Et... que tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Comment peux-tu? Alléluia. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voyez-vous, mes frères et sœurs, voyez-vous, mes amis, ce soir, il n'y a pas de cohérence. Ce n'est pas cohérent. Alléluia. Comment peux-tu te prétendre être un chrétien et ne pas porter assistance aux nécessiteux? Comme je vous disais tout à l'heure en faisant référence à l'église de Jérusalem, qui est une école pour nous, qui est un modèle pour nous, comment nous devons fonctionner pour l'avancement du royaume. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne sont pas, qui n'ont pas de la consistance spirituelle. Quand vous les jaugez spirituellement, vous voyez qu'ils manquent d'impact, ils manquent de poids spirituel. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Il y a une carence au niveau de l'amour. Et aujourd'hui, nous voyons dans le milieu chrétien, il y a trop d'hypocrisie. Trop. Et le cœur du Seigneur est blessé quand il voit de tels agissements. Alors que le Seigneur avait dit, oui, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Mais il va dire, je vous donne un nouveau commandement. Il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur va insister à plusieurs reprises d'enseigner sur l'amour. Parce qu'il savait que c'était ça le plus important. C'était ça qui est essentiel. C'est ça qui est salutaire véritablement. C'est ça qui va déterminer si nous appartenons à Christ, si nous appartenons pas à Christ. Parce que appartenir à Christ, ce n'est pas un slogan que tu vas le dire avec ta bouche. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. En d'autres termes, tu peux dire Seigneur Jésus, tu peux prier matin, midi, soir, mais si ton cœur n'est pas pleinement ouvert à Jésus, si ton cœur n'a pas reçu véritablement l'amour de Christ,
tout ce que tu vas passer en temps et en heure dans la prière ne sera que vanité, ne sera que caduque, parce que tu n'as pas connu véritablement Dieu. Et c'est ça le problème. Et c'est pour cela que l'Église est fragilisée. Elle est fragilisée dans le siècle présent. C'est pour cela qu'il y a des divisions, il y a des tumultes, il y a toutes sortes de dérèglements. Parce que nous n'avons pas connu véritablement l'amour de Jésus. Parce que nous prononçons ces choses, telle une philosophie, telle, je ne sais pas moi comment exprimer cela, telle une poésie. Alors que mes frères et sœurs, c'est une personne de ce que nous sommes en train de parler. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une poésie, une philosophie ou un simple mot ou un slogan. Mais c'est la personne de Jésus que je suis en train de vous parler ce soir. Alléluia. Comment, mes frères et sœurs, comment l'œuvre de Dieu pourra être en bonne santé spirituelle? Comment l'Église pourra être en bonne santé spirituelle si nous sommes en train de nous tirailler? Si nous sommes en train, nous entretuer? Comment l'œuvre de Dieu pourra fonctionner correctement? Mes frères et sœurs, c'est le temps d'arrêter l'hypocrisie. C'est le temps d'être vrai devant Dieu. Parce que mes frères et sœurs, le mensonge, un jour ou l'autre, on peut le cacher 20 ans, 30 ans, 50 ans. On peut le cacher toute sa vie même. Mais un jour ou l'autre, lorsqu'on sera devant Dieu, il va remonter à la surface. Comprenons, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps décisifs où on doit prendre des décisions, des sérieuses résolutions. Job 28, verset 11, il dira « À tes résolutions répondra le succès. » Alléluia. « À tes résolutions répondra le succès. » Et voilà pourquoi il y a tous ces problèmes successifs dans nos assemblées, parce qu'il y a une carence au niveau de l'amour. Et c'est pour cela que l'œuvre de Dieu est fragilisée. C'est pour cela que nous entendons parler des scandales, nous entendons parler des histoires honteuses, parce qu'il n'y a pas véritablement l'amour de Christ. Et rares sont ceux, je ne dis pas que ça n'existe pas, rares sont ceux qui ont véritablement compris le véritable message de l'Évangile. Parce que le problème aujourd'hui, l'Évangile que nous entendons ici et là, tout est basé sur le développement de l'homme. Tout est basé sur la satisfaction de l'homme. Tout est basé sur l'égocentricité de l'homme. Au lieu de comprendre, au lieu de réaliser que l'Évangile ne doit pas être basé sur l'homme, mais l'Évangile doit être basé sur la personne de Jésus. Parce que ça lui concerne lui, ça ne concerne pas nous. L'Évangile concerne Jésus-Christ, il ne concerne pas l'homme. Et nous prenons Dieu comme une loterie. Donne telle somme d'argent, Dieu va te donner telle somme machin. Mais si Dieu ne veut pas te le donner en argent, peut-être il va te le donner spirituellement, par rapport à ta foi. Peut-être il va te garder de certains fléaux dont Satan était en train de programmer contre ta vie pour t'éloigner du Seigneur. Peut-être que le fait que tu as semé pour l'œuvre de Dieu, tu vas le récolter dans ce sens-là, pour que ta foi soit préservée. Comme Jésus dira à Pierre, il dira, n'est-ce pas, Satan, Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment, c'est-à-dire pour cribler ta foi, pour neutraliser ta foi. Mais il va dire, mais moi j'ai prié pour toi Pierre, afin que ta foi ne puisse jamais faillir. C'est ça la véritable grâce de Dieu, la véritable récompense du Seigneur, c'est que notre foi soit préservée. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. Quand est-ce que le chrétien va comprendre que l'amour de Dieu, quand est-ce que le chrétien va comprendre que l'amour de Dieu consiste à se sacrifier pour son prochain?
Quand est-ce que nous allons comprendre que l'amour, c'est un sacrifice que nous devons témoigner envers nos prochains? Ce n'est pas suffisamment de donner son temps. C'est bien d'accorder son temps. Mais le Seigneur veut que nous allons plus loin. À quoi sert, mon frère, ma sœur? Tu es en train de coffrer ton argent. Comme un peu un dessin animé que chacun d'entre nous, peut-être, nous connaissons, l'oncle Picsou. Il était tellement avare. Il était tellement, égocentrique. À chaque fois, il était devenu tellement fou en ce qui concerne son argent. Il coffrait. Nous avons vu des gens, ils ont coffré leur argent toute leur vie. Ils n'ont même pas profité de cet argent-là. Lorsque la mort s'est présentée, ils sont partis. Ils n'ont même pas pu profiter de l'argent qu'ils avaient coffré. Voyez-vous, la Bible nous dit, il est plus beau de donner que de recevoir. Celui qui réalise cela, celui qui agit selon ce que le Seigneur attend de nous, c'est celui qui a saisi l'amour de Christ. Et aujourd'hui, nous cherchons des titres, nous cherchons à avoir des grands ministères, nous cherchons à copier comme l'autre pasteur, nous cherchons à avoir des grosses voitures, nous cherchons à avoir des mariages presque parfaits, nous cherchons, en fait, tout cela est basé sur l'homme. Quand est-ce que nous allons nous préoccuper des préoccupations du Seigneur? Quand est-ce que nous allons prendre le temps d'aller vers le Seigneur, de comprendre quelle est sa préoccupation? Mes frères et sœurs, arrêtons d'utiliser Dieu pour notre propre satisfaction. Arrêtons cela. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas respectueux envers le Seigneur. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé plus que jamais de dire haut et fort la vérité. Parce que nous avons marre de ces évangiles trompeurs, de ces évangiles qui nous éloignent de la croix, de ces évangiles qui nous éloignent de l'amour que Christ a sacrifié en livrant sa vie à la mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Nous avons marre d'écouter ces chimères. Nous avons marre d'écouter ces divertissements qui nous amènent dans la distraction, dans le confort charnel. Nous avons marre de ça. Jésus dira, celui qui veut être mon disciple, doit tout d'abord renoncer à lui-même et porter sa croix et me suivre. Comment peux-tu suivre Jésus si tu ne t'es pas renoncé? Comment peux-tu suivre Jésus si tu es encore avare, si tu es encore égocentrique? Comment peux-tu suivre Jésus si tu es radin? Comment peux-tu suivre Jésus? Comment peux-tu... La croix, tu ne pourras pas la porter. Pourquoi? Tu ne pourras pas supporter la croix. Pourquoi? Parce que ceux qui réussiront à supporter la croix, c'est ceux véritablement qui aiment le Seigneur et qui ont compris qu'ils doivent se renoncer totalement pour suivre le Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, ce passage de Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dira « Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mais avant que Paul n'ait pu dire cette phrase, il s'est passé des années dans le désert. Il a traversé le désert, le brisement. Il a traversé, n'est-ce pas, des choses incroyables, des persécutions, des combats, des luttes acharnées, des menaces de mort, des lapidations qu'il a connues. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a sorti cela. Lorsque Paul était en train de dire cette phrase-là, ça venait au plus profond de son cœur. Parce qu'il savait ce qu'il était en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il a cru en l'amour de Christ. Et c'est cet amour de Christ qui l'a rendu ce qu'il était devenu. Parce que sans cet amour-là, Paul aurait continué à sombrer dans le pharisianisme. Paul aurait continué à persécuter à outrance l'Église de Dieu. Paul aurait continué dans cette voie-là, dans cette voie de perdition. Mais parce qu'il a rencontré le Mashiach, parce qu'il a compris, il a saisi ce que représente l'amour du Mashiach. Et c'est pour cela que Paul est devenu apôtre. Non pas par la volonté de l'homme, non pas par la volonté de lui-même, mais parce que c'était
la volonté de Dieu qui s'est manifestée, qui s'est caractérisée dans sa vie. Et Paul va dire dans sa dernière lettre, je vais prendre le passage, dans sa dernière lettre au Timothée, où il va faire ses dernières, ses ultimes recommandations avant son départ. Et pendant qu'il écrivait cette lettre, Paul était dans le couloir de la mort. Il attendait son exécution. Et cette exécution pour lui était une joie bienheureuse parce qu'il allait rejoindre celui qu'il aimait. Parce qu'il allait rejoindre celui qu'il a aimé le premier. Parce qu'il allait rejoindre la gloire éternelle de celui qu'il a choisi, de celui qu'il a établi apôtre des païens. Et regardez ce que Paul va dire ici. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Et Paul va dire, je suis pressé par deux côtés. Il va dire, je suis pressé par deux côtés. Il va dire, il y a un côté où le Seigneur, je suis pressé d'aller rejoindre le Seigneur. Je suis tiré de deux côtés. Il va dire, je suis pressé d'aller rejoindre le Seigneur, ce qui serait mieux. Mais il va dire, à cause du besoin, à cause de l'utilité de mon ministère, je dois encore rester parmi vous pour vous enseigner selon l'amour de Christ, pour que vous soyez des hommes faits selon la stature parfaite de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas parvenir à cette stature parfaite de Jésus-Christ si tu n'as pas saisi l'amour de Dieu. Parce que si tu ne saisis pas l'amour de Christ, tu ne pourras pas connaître Dieu. Tu ne pourras pas connaître Dieu dans le secret. Ce n'est pas connaître Dieu par la bouche, mais connaître Dieu par le secret. C'est autre chose, mes frères et sœurs. Et regardez ce que Paul va dire ici. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Il va dire, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Paul était en train d'avertir Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Mon frère, ma sœur, tu dois supporter les souffrances à cause de l'évangile de Christ, à cause de l'amour de Christ. Tu dois supporter les souffrances. Parce que c'est là où on va t'éprouver si tu appartiens véritablement à Christ. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Regardez ce que Paul va dire. Le moment de son départ approche. C'était les dernières recommandations qu'il va transmettre à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance. Regardez les dernières phrases percutantes de Paul. Et aujourd'hui, nous entendons justement ces faux évangiles qui est centré sur l'homme, qui concerne uniquement le développement de l'homme. Alléluia! Qui concerne les désirs de l'homme, qui concerne les intérêts de l'homme. Parce que l'homme a besoin, n'est-ce pas, son identité charnelle a besoin de nourrir son ego, a besoin de nourrir son orgueil pour démontrer aux gens, oui, voilà, je suis arrivé, je suis riche. Mais mon frère, ma sœur, cette richesse que tu as là, c'est une richesse incertaine parce que cette richesse-là sur terre ne pourra pas te sauver. Voilà pourquoi Paul va la qualifier comme richesse incertaine et dit aux hommes riches de ne pas s'appuyer sur les richesses incertaines, mais d'être riche en bonnes œuvres. Voici ce que Paul va dire, mais d'être riche en bonnes œuvres. Parce qu'il va dire aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10,
car nous sommes à l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici à quoi nous sommes destinés. Voici à quoi ce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a créés à son ouvrage. Et nous avons été destinés à faire des bonnes œuvres en Jésus-Christ pour que toi et moi, nous puissions les pratiquer. Il va dire, mais sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Alléluia. Supporte la persécution, supporte le rejet, supporte les gens qui t'insultent. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à te mettre en colère. Mais laisse le Seigneur établir sa justice divine. Laisse Dieu réaliser sa souveraineté dans ta vie. Parce que nous sommes dans ce temps-là, mes frères et sœurs, où les hommes ne peuvent plus supporter la saine doctrine, où les hommes ne peuvent plus supporter la croix, où les hommes, quand tu vas leur parler comme ça aujourd'hui, chrétien, il va dire tu es dur, tu n'as pas d'amour, tu as un manque d'amour, tu es trop dur. Tu nous juges, alors que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 là-bas, ou 3, il va dire, l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est pas jugé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul va dire, j'ai déjà jugé. Il y a plusieurs types de jugements dont nous faisons référence. Je parle du jugement de constatation par rapport au péché, par rapport aux fausses doctrines. Oui, tout enfant de Dieu qui est averti par le Seigneur doit justement établir, dresser ce constat. Parce qu'il est de notre responsabilité de dire là quand c'est faux, là quand c'est vrai. Parce que c'est le sens du discernement que Dieu attend de chacun d'entre nous. Tout cela, c'est pour préserver la foi des enfants de Dieu. C'est pour l'intérêt général de l'Église. Parce que chacun d'entre nous, nous devons être le gardien du sanctuaire de Dieu. Et être gardien du sanctuaire, cela implique à ce que tu fasses attention, attention à ce que tu écoutes comme évangile. Tu ne dois pas dire « Amen » à toute parole qu'on peut te dire. Tu dois également, comme dira l'apôtre Jean, il dira, n'est-ce pas, ne repousse pas la prophétie, mais examine-la. Pour savoir si elle vient de Dieu ou pas. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus sur terre. Tu ne dois pas rejeter la prophétie, mais tu dois l'examiner. Faire preuve de discernement, c'est la maturité d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, les gens ne supportent plus ce type de message. Ils ne supportent plus l'évangile de la croix, l'évangile qui nous pousse à supporter la souffrance. Alléluia. Je termine cette lecture. Je suis toujours dans 2 Timothée chapitre 4. Il va dire, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Et regardez ce que Paul va dire à la fin. Il va dire, j'ai combattu le bon combat. Il ne parle pas de n'importe quel combat, mes frères et sœurs. Il dit, j'ai combattu fidèlement jusqu'au bout. J'ai gardé ma foi. J'ai gardé le véritable message, le véritable enseignement que le Seigneur lui-même m'a transmis par révélation. Parce qu'il va dire, l'évangile dont j'ai reçu, ce n'est pas de la part d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh my God! À tous ceux
qui auront aimé l'avènement de Christ. Pierre, dans la fin de son ministère, il dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement, dans l'aboutissement de sa promesse, comme beaucoup ne le pensent. Mais il use de patience envers nous, parce que la patience de Dieu est la preuve formelle de l'amour de Dieu que Dieu nous accorde pour que nous puissions nous repentir et réformer nos voies. Mais il use de patience pour vous, parce qu'il ne souhaite que personne d'entre nous ne puisse périr, mais que tous parviennent à la repentance. Voici ce que Dieu recherche pour nous. Voici ce que Dieu veut pour nous. Comme il le dira à Ézéchiel chapitre 18, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais sa repentance. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur. Le mot repentance n'est pas une insulte, n'est pas une condamnation, mais c'est la porte du Seigneur qui s'ouvre à toi. C'est la porte de son cœur qui s'ouvre à toi, de dire, mon enfant, viens, reviens à moi, mon enfant, car je t'aime, car je suis prêt à déployer ma grâce dans ta vie, car je suis prêt à déployer toute mon affection pour toi, car je suis prêt à déployer tout mon amour pour toi. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur. Réalise cette grâce d'être vivant, d'avoir le mouvement, l'être et la vie. Tout cela ne vient que de Dieu. Ce n'est pas un acquis personnel. Ce n'est pas une obligation d'obtenir ces choses, mais Dieu nous l'a accordé. Parce qu'il compte sur nous. Comprends que le Seigneur compte sur toi. Comprends que le Seigneur a posé ses regards d'amour sur ta vie. Considère cet amour qu'il a pour toi. Ayons de la reconnaissance, car c'est le temps plus que jamais de témoigner notre reconnaissance envers le Seigneur. Car personne d'entre nous ne peut se prétendre de recevoir, d'avoir le droit à cette grâce-là. Si nous avons cette grâce-là, ce n'est pas par notre mérite personnel, mais c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. Comprenons, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à supporter la croix. Nous sommes appelés à supporter de souffrir pour Christ. Nous sommes appelés à donner de l'amour, à témoigner de l'amour, à manifester de l'amour, à aller au-delà de nos retranchements, à aller au-delà de notre zone de confort, à aller au-delà de nos limitations, à aller plus loin. Dieu veut que nous allons plus loin. Dieu veut que nous allons au-delà de ce que les hommes peuvent nous dire, de ce que le monde peut nous montrer. Nous sommes appelés à manifester de la charité. La charité, mes frères et sœurs. L'amour véritable, la charité, mes frères et sœurs. C'est de se donner pour la personne, de se sacrifier pour ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un slogan, mais c'est tellement profond. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide à comprendre la profondeur de sa pensée. Ma prière est que le Seigneur puisse faire tomber les écailles de nos yeux ce soir, pour que nous puissions revenir véritablement à lui. Parce que mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous sentir sceptiques. Nous ne devons pas nous sentir visés. Nous ne devons pas nous sentir condamnés. Nous ne devons pas nous sentir, méprisés. Lorsque Dieu adresse un appel à la repentance. L'appel à la repentance, c'est un appel à la grâce de Dieu. Parce que la repentance, c'est le moyen pour chacun d'entre nous de revenir véritablement au premier amour. Jésus dira à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, avant que je ne vienne et que je ne ôte le chandelier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour l'homme de Dieu, le docteur Coco. Merci pour votre participation, merci pour votre soutien. Merci, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni pour cette transmission céleste qui nous a transmise ce soir, pour cette parole. Je pense qu'elle a parlé à nos cœurs, qu'elle a parlé à nos âmes, comme la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant, séparant jointe et moelle,
car elle juge les sentiments du cœur. La parole de Dieu juge, elle est, quand nous parlons de juger ici, c'est-à-dire elle éprouve le cœur. La parole de Dieu de ce soir, elle est là pour éprouver nos cœurs, pour éprouver ce que nous avons véritablement dans nos cœurs. Comme David dira dans le psaume 139, « Éternel, sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Regarde, Seigneur, si je suis ce soir dans une mauvaise voie, et ramène-moi au chemin de l'éternité. » Parce que ce qui est le plus important, mes frères et sœurs, c'est d'être dans le chemin qui mène vers la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Comme dira le Seigneur à celui qui a entendu sa parole, entende ce que le Seigneur a déclaré ce soir. Et si ce soir, tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, au travers de cette transmission, au travers de cette parole, au travers de cette exhortation que le Seigneur nous a transmise ce soir. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, rappelez-vous de la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Lorsque l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour de mort, il a supplié Abraham pour qu'il puisse se repentir. Et comme il a compris que cela n'est pas possible pour lui, il a dit « Accorde-moi juste un sursis. Accorde-moi juste un sursis pour que j'aille dire à mes frères, à ma famille, de se repentir. » Mais comme il a compris que c'était trop tard pour lui, son sort a été déjà scellé. Mes frères et sœurs, par là ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire par là, mes frères et sœurs, tant que tu as encore la vie, tu as encore l'espoir. Tu as encore l'espoir de t'améliorer avec le Seigneur. Tu as encore l'espoir parce que le Seigneur n'a pas attendu que tu sois parfait pour que tu puisses le suivre. Le Seigneur n'a pas attendu que tu sois irréprochable pour qu'il puisse venir dans ta vie. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades, parce qu'il est venu pour sauver tous ceux qui étaient perdus. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour rectifier ton tir. Il n'est pas trop tard. Ne fais pas l'erreur comme ce riche qui s'est retrouvé dans le séjour de mort et qu'il a compris que c'était trop tard pour lui. Ne fais pas cette erreur, mon frère, ma sœur, car il est encore le temps pour toi de témoigner ton amour. Le témoignage de l'amour de Christ, ce n'est pas seulement de le témoigner par rapport, n'est-ce pas, par rapport à ton vécu, mais aussi de secourir ceux qui sont dans le besoin. Et secourir dans ceux qui sont dans le besoin, ce n'est pas seulement de donner ton temps. Mais mes frères, mes sœurs, je vous dis la vérité, le Seigneur nous éprouve pour voir si nous sommes prêts à mettre notre main dans la poche pour aider les pauvres. N'oublions pas les pauvres. Rappelez-vous, la Bible nous dit, lorsque Paul et Barnabas, je vais terminer par la grâce de Dieu, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse encore, lorsque Paul et Barnabas, selon le livre de Galates, lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem pour aller voir les apôtres, Paul, c'était la première fois qu'il rencontre l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Lorsqu'ils se sont présentés devant les apôtres, Paul avait exposé son évangile, avait exposé son rapport ministériel, de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait traversé avec le Seigneur. Comme ils étaient touchés, la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient donné la main d'association à Paul et Barnabas. Et ce qui m'a touché après dans ce passage-là, Jacques, qui est l'apôtre, qui est le frère de Jésus, la Bible nous dit que Jacques va lui recommander de se souvenir des pauvres. Jacques va lui recommander, souviens-toi des pauvres. Et la Bible nous dit que Paul a pris soin de faire la recommandation qu'il avait reçue de Jacques, c'est-à-dire se souvenant des pauvres. Souviens-toi des pauvres. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, des pauvres. Car mon frère, ma sœur, tout ce que nous voyons autour de nous, tout ça, ça va passer. Mais ce qui est plus important pour nous, on doit le comprendre. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est la vie éternelle. Ne jouons pas avec notre éternité, parce qu'on ne sait pas si demain nous allons encore être là. Bien-aimés, on peut prévoir beaucoup de plans, on peut prévoir beaucoup de prévisions. Mais bien-aimés, ce n'est pas nous qui avons le dernier mot sur notre prévision, sur notre futur. Celui qui a le dernier mot, même si tu peux être milliardaire,
Tes milliards ne pourront pas donner la prévision de la certitude de ton avenir. Celui qui peut prévoir un meilleur avenir pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et non pas ton argent, et non pas tes biens immobiliers, c'est pas tout ça. Tout ça, ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la mascarade. Bien-aimé, ce qui compte, le trésor le plus précieux, c'est Christ, qui est la couronne incorruptible, qui est, n'est-ce pas, la semence incorruptible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier rapidement pour vous. Père de gloire, merci pour ce message que tu nous as parlé, que tu nous as transmis ce soir. Merci pour ton peuple qui a répondu à cet appel pour pouvoir entendre, Seigneur, les vertus de ta parole, de ton enseignement que tu nous as transmis. Seigneur, ma prière est que nos cœurs, Seigneur, puissent être réceptifs, sensibles à ce que tu nous as parlé ce soir. Qu'elle soit, Seigneur, cette terre fertile pour non seulement recevoir ta semence, mais aussi, Seigneur, pour la laisser agir, Seigneur, et croître dans nos vies, afin que le fruit digne de la repentance, Seigneur, puisse se manifester au temps marqué que toi-même tu as programmé pour nos vies. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. Pour, Seigneur, Papa, après que ce programme ne puisse terminer, que nous puissions retourner, Seigneur, à notre ancienne vie. Seigneur, parle-nous au plus profond de notre cœur encore davantage par rapport à ce message, pour que la réforme de nos cœurs, la réforme de notre voie et de notre vie puisse être effective. Seigneur, aide-nous à avoir les moyens à disposition, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, tes exigences, pour pouvoir, Seigneur, secourir les pauvres, les nécessiteux. Seigneur, tel que ce que les apôtres, Seigneur, qui sont nos pères dans la foi, ont pu faire à leur époque. Comme toi aussi, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ne refuse pas à celui qui te demande. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, remplir tes exigences. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire sans ton assistance, sans ton aide, sans cet amour que nous avons besoin. Que cet amour venant de toi soit le moteur principal de notre cœur pour que nous puissions faire les choses, les bonnes œuvres auxquelles tu nous as appelés, auxquelles tu nous as destinés, pour que nous puissions les pratiquer afin que notre joie soit parfaite en toi. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, bénis notre soirée et le reste de cette semaine. Et merci Père pour ce message. Je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à tout à chacun d'entre vous. Et encore merci à l'homme de Dieu, le docteur Coco. Merci pour votre présence. Surtout, partagez ce message. Gardez ce message. Un dernier conseil, réécoutez ce message. Réécoutez-le, partagez-le autour de vous. Parce que c'est la trompette du Seigneur qui a retenti ce soir. C'est pas moi qui a parlé, mais c'est le Seigneur. Je peux vous assurer, ce n'est pas de mon intelligence, ce n'est pas de ma capacité. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à chacun d'entre nous. Alors, mes frères et sœurs, vous qui avez écouté cette trompette ce soir, ne négligez pas la trompette du Seigneur. Parce que cette trompette, c'est un avertissement clair du Seigneur à toute son Église pour que l'Église de Christ puisse revenir au premier amour. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.